Ma première décision, c'est de suspendre les fonctions du Parlement. On était dans un processus démocratique, là on est en plein transition totalitaire. Le prix du fourrage a explosé et je ne vois pas d'issue. Soit je vends mes vaches, soit elles mourront les unes après les autres. Dans ma classe de master, on est seulement 3 à être restés en Tunisie. Les autres ont quitté le pays. Partout. C'est invivable, c'est un peu inquiétant. Certains habitants ici parlent d'occupation. Voici la police quand ils prennent les blagues. Dans le désert, on a trop souffri. La génération de la révolution tunisienne nous a montré la voie. Nous continuons et nous continuerons à nous battre pour eux. Bonsoir et bienvenue dans l'enquête exclusive. La Tunisie est à la croisée des chemins. 13 ans après le soulèvement populaire qui a conduit au départ du dictateur Ben Ali, bon nombre de Tunisiens, déçus et inquiets, ont choisi l'exil. La transition démocratique tant espérée aura duré moins de 10 ans. Le président Kais Saied, élu haut la main en 2019, a suspendu 2 ans plus tard les travaux du Parlement et jeté en prison bon nombre de ses opposants. Alors il est difficile aujourd'hui dans ce pays qui connaît une dérive autoritaire de travailler en tant que journaliste indépendant. Nos équipes ont pu se rendre dans ce pays pendant plusieurs semaines et aller à la rencontre de Tunisiens de toutes conditions. Vous allez voir qu'ils ont découvert un pays en souffrance où la crise économique, la hausse des prix a été amplifiée par la crise du Covid mais aussi par la guerre en Ukraine. La Tunisie entre misère et risque de dictature, c'est un document signé Stan Boulanger pour 4 productions et enquête exclusive. Ce pourrait être un après-midi détente, comme on en voit à Dubaï ou à Los Angeles. C'est une des plus fidèles. Elle est toujours présente. Aujourd'hui, Sabrine Taleb, star tunisienne d'Instagram, organise un événement dans cet hôtel de luxe de la banlieue chic de Tunis. Faites comme chez vous. Avec son million d'abonnés, à 32 ans, Sabrine incarne une jeunesse dorée très connectée et ouverte sur le monde qui a toujours existé en Tunisie. Atelier poterie, atelier peinture, marché, ça marché déroule barat. Feel free to have it. Toute ma communauté, on va dire, parle anglais, français et arabe. C'est pour ça qu'on parle French, English and Arabic. We are universel. Des jeunes femmes indépendantes qui gagnent bien leur vie. Elles travaillent dans les secteurs de l'informatique ou du médical, comme Haïfa, pharmacienne. La jeune femme assume de vivre libre, à rebours d'une culture marquée par la tradition musulmane. À 37 ans, elle est célibataire, mais elle n'est pas venue seule aujourd'hui. Donc ça, c'est Bella. C'est ma fille. Elle aime bien se colorer les cheveux, Bella. Elle aime bien le rose en particulier. Elle n'est pas du tout influencée par sa maman, non. Pour 40 euros, Haïfa va s'essayer à la peinture abstraite, tout en profitant d'un buffet estampillé bien-être. Il y a du quinoa, un carrot cake, il y a des toasts au guacamole, des petites salades, et puis voilà, que des bonnes choses. C'est un dimanche parfait pour vous? C'est le dimanche parfait pour moi, exactement. Ces jeunes femmes sont l'exception. Loin, très loin du quotidien de l'immense majorité des Tunisiens. Au sud de la mer Méditerranée, la Tunisie. C'est le plus petit pays du Maghreb, avec 12 millions d'habitants. À l'origine, en 2011, d'une onde de choc planétaire. Des milliers de Tunisiens manifestent en ce moment devant le ministère de l'Intérieur à Tunis. Un événement extraordinaire a eu lieu en Tunisie. Un acte d'un courage inouï. Le soulèvement d'un peuple qui étouffe depuis des décennies et qui veut faire tomber son dictateur pour goûter à la liberté. Je suis content, c'est les derniers jours de Ben Ali. Le 14 janvier 2011, après des semaines d'une mobilisation historique et une répression sanglante, le dictateur prend la fuite.
Le président Ben Ali vient de quitter le pouvoir. C'est la fin de 23 ans d'un règne sans partage. Nous sommes retournés 13 ans plus tard dans le pays. En Tunisie, il y a les riches au-dessus et les pauvres en bas. Il n'y a plus de classe moyenne. Et la révolution n'a fait qu'empirer les choses. Dans toutes les strates de la société, la déception est immense. Le pays est rongé par une crise économique sans précédent. Ce café, il est devenu quasiment introuvable. 4 jeunes sur 10 sont au chômage. Je veux quitter le pays, moi aussi. Je veux tenter ma chance. En 2019, le peuple a cru remettre son destin entre les mains d'un homme providentiel. Kais Saied, un président démocratiquement élu et qui se révèle être de plus en plus incontrôlable. Ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose d'inimaginable. Nous sommes allés à la rencontre des opposants politiques qui se réunissent dans la clandestinité. On était dans un processus vers la démocratie. Là, on est en plein transition totalitaire. Bouc émissaire tout trouvé, les immigrants subsahariens en route vers l'Europe. En Tunisie convergent toutes les misères du continent africain. Regarde, à droite, là, c'est plein de monde. Avec le grand nombre de migrants, on n'est pas en sécurité. Certains habitants ici parlent de colonisation. On ne va pas les laisser s'installer ici. Le pays part à la dérive. Ce que craignent les Tunisiens aujourd'hui, c'est un retour à la case dictature. La médina et ses ruelles sinueuses sont l'un des joyaux touristiques de la capitale tunisienne. Construite au 7e siècle, cette merveille d'architecture abrite le souk. Longtemps, les touristes s'y bousculaient à la recherche de couleurs locales et de bonnes affaires. Aujourd'hui, les vacanciers sont moins nombreux et les commerçants sont les premiers à en faire les frais. À l'époque, cette rue-là, il est plein des artisans. Des cordonniers, des souliers, des sandales, tout. Hein. Maintenant, c'est fermé. Maintenant, ça reste 2 ou 3 personnes. Et pourquoi ils sont fermés, Mohamed? Ils sont fermés, ça, c'est... il n'y a pas de travail. Pas de travail. Pas de travaux. Tu peux me donner un peu de colle? Mohamed El Sessi, 68 ans, est le dernier relieur de livres de la Médina. Je vais faire la couverture. C'est un patient, c'est une habitude. J'ai fait, je travaille pendant 48 ans dans ce métier-là. Je ne peux pas faire autre chose. Quand Mohamed monte son commerce dans les années 70, le contexte était alors propice. La Tunisie s'ouvrait au tourisme et aux devises étrangères. Jusqu'à devenir, au milieu des années 2000, la destination préférée des Français. À l'époque, j'ai travaillé avec 5 personnes, 6 personnes avec moi. Maintenant, j'ai une seule. Maintenant, on ne peut pas faire des économies. Vous voyez ? On vit de jour à l'autre, c'est tout. Les malheurs s'accumulent pour Mohamed. Après la chute du tourisme, l'artisan doit maintenant faire face à l'envolée du prix de ses matériaux. Un paquet comme ça, de 10 pots, du chevreau tunisien, ça vaut maintenant à peu près de 250 dinars. 75 euros les 10 pots, c'est 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Le carton, qu'on l'achète maintenant presque le double du prix. Même le fil, est augmenté. Est augmenté à presque à 40% de son prix. Et on a l'électricité qui est augmentée, l'eau qui est augmentée, le téléphone, tout. Et maintenant le téléphone portable, vous voyez. Espérons bien qu'après
on verra des moments plus intéressants. L'inflation sévit en Tunisie plus qu'ailleurs, car le pays importe toute son énergie et ses matières premières. Regarde-moi ça, ces gens qui font la queue le matin pour acheter du lait et du sucre. La hausse récente des cours mondiaux a plongé de plus en plus de Tunisiens dans la misère. Il y a au moins 500 personnes. Ils subissent maintenant des pénuries sur ces produits de base qui viennent de l'étranger. Le blé, le sucre, le café. Ici, on les voit se bousculer pour quelques briques de lait. Au marché, les produits locaux n'échappent pas à cette flambée des prix. Plus 18,5% pour les légumes l'an dernier. Les viandes, les poissons sont devenus inaccessibles pour l'essentiel de la population. Sur les pancartes, les prix sont à peine inférieurs à ceux pratiqués en France. Sauf que les salaires, eux, sont bien plus bas. Un Tunisien gagne en moyenne entre 250 et 300 euros par mois. C'est le cas de Slim. À 43 ans, il est agent de sécurité dans un grand hôtel du littoral. Il travaille 50 heures par semaine pour seulement 260 euros par mois. Slim habite dans la banlieue de Nabeul, une ville dortoir où logent beaucoup de ces petites mains du tourisme. Bonjour. Salut, ça va? Yes. Oui, ça va, merci. Je t'ai petit. Il vit avec sa femme Nawel dans ce petit deux pièces. Qu'est-ce que tu as préparé? Ah, des briques. Des nouni. Moi, je les fais comme ça, comme des doigts. Nawel est sans emploi. Cela fait 6 mois qu'elle cherche du travail. Après avoir payé le loyer, il reste au couple en moyenne 150 euros pour vivre par mois. Leur pouvoir d'achat est en chute libre. Par exemple, pomme, avant 2 dinars, maintenant le pomme, 5 dinars, 500 millilitres. C'est cher. Le concentré de tomates, c'est 2 euros la boîte. Alors qu'avant, elle coûtait un tout petit peu plus qu'un euro. Ça aussi, ça a plus que doublé. Avant, quand je faisais les courses, avec 3 euros, j'arrivais à acheter tout un tas de fruits et de légumes. Et il me restait même de la monnaie. Maintenant, je n'achète plus que des produits de première nécessité. Depuis quelques années, le couple vit dans l'angoisse du lendemain. Heureusement que la propriétaire du logement est compréhensive. Elle me donne parfois un délai de quelques jours pour payer le loyer. Slim n'est pourtant pas le plus à plaindre en Tunisie. Il nous emmène dans sa région natale. Un bassin minier sur le déclin, en plein centre du pays. Ici, les gens souffrent. Ils n'ont pas de quoi se nourrir. Alors qu'au nord, sur la côte, il y a la mer, les usines et beaucoup plus de chances de trouver un travail. Tandis qu'au sud, ce n'est pas du tout le cas. Slim est né à Gafsa, une ville de 100 000 habitants, parmi les plus pauvres. Salut, comment ça va, cousin? Il nous présente son cousin Mounir, qui tient un petit garage dans le centre. Tu sais, j'aime bien passer à l'improviste. Tu travailles sur quoi? C'est une pièce de moteur, ça? Le quotidien de Mounir, c'est le système D.
Pour remettre en état cette bobine d'allumage, il tente de récupérer du cuivre sur cette vieille turbine. Ma situation n'est vraiment pas enviable. Mon activité tourne au ralenti. J'ai investi beaucoup d'argent personnel dans cet atelier et je ne fais pas de profit. Avant, on travaillait moitié moins et on gagnait mieux notre vie. Cet avant, auquel Mounir fait référence, c'est l'époque avant la Révolution, sous le régime de Ben Ali. Dans ces régions reculées de la Tunisie, le parti du dictateur faisait tout pour maintenir la paix sociale. Il multipliait les subventions et facilitait l'accès au crédit pour les agriculteurs. Ali Aouini est un petit éleveur de vaches laitières. Pris à la gorge, il a dû se séparer des trois quarts de son troupeau. Et les quatre vaches qui lui restent sont bien maigres. Leur rendement est famélique. Cette vache ne donne que 5 litres de lait et seulement une fois par jour. Si elle avait assez à manger, je pourrais la traire matin et soir. L'éleveur subit de plein fouet la hausse du cours des matières premières, notamment à cause de la guerre en Ukraine, d'où vient l'essentiel du foin importé en Tunisie. Le prix du fourrage a explosé. De combien ? Avant, le ballot était à 2 euros. Et maintenant, il coûte 6 euros, voire plus. On souffre vraiment. Et je ne vois pas d'issue. Soit je vends mes vaches, soit elles mourront les unes après les autres. Pour faire tourner leur ferme, Ali et sa femme Afsa misent sur une centaine d'oliviers sur les hauteurs. Ils en cueillent les fruits une fois par an. Ces olives, on les vend en conserve. C'est notre gagne-pain. Notre survie et celle de nos enfants en dépend. Ces 5 dernières années, la Tunisie a fait face à de graves épisodes de sécheresse. En 2018, le pays était l'un des plus gros exportateurs d'huile d'olive dans le monde. Depuis, la production a baissé de moitié. Quand il ne pleut pas, évidemment, comme cette année, la production d'olives n'est pas bonne. On prie Allah qu'il fasse tomber la pluie. Ali, apporte la théière, s'il te plaît. Et n'oublie pas le couteau. Les années se suivent et sont de plus en plus difficiles pour Afsa et ses amis. Au moment de trier leurs olives, il y a un sujet qu'elles n'abordent plus entre elles. La politique. La politique, on n'en parle plus. On est tellement occupé par le travail dans les champs. Ce que je peux vous dire, c'est que la révolution n'a rien changé. On est toujours aussi endettés. Pour elle, comme pour beaucoup de Tunisiens, la révolution n'a pas porté ses fruits. C'est pourtant au cœur de ces campagnes qu'elle a éclaté. Nous retrouvons Slim. Il en a été le témoin et l'un des acteurs. Il nous emmène là où tout a commencé, à Sidi Bouzid. C'est là. On est presque arrivé à Sidi Bouzid. C'est dans cette petite ville de 50 000 habitants que le sort des Tunisiens a basculé. Sur la place centrale, un immense portrait et une date au-dessus, le 17 décembre 2010. Tout a commencé avec le suicide de Mohamed Bouazizi. C'était un vendeur ambulant de fruits et légumes. Ce jour-là, il a eu une altercation dans la rue avec un agent de police municipale.
Il s'est alors fait confisquer sa balance. Humilié et dans un geste de désespoir, il s'est aspergé d'essence et il s'est immolé par le feu. Lors de ses funérailles, ils sont plusieurs centaines de jeunes à se rallier derrière le cortège. Signe d'une colère populaire si longtemps étouffée. Depuis Sidi Bouzid, et grâce à Facebook notamment, la révolte se propage aux autres grandes villes du pays. À Kérouan, un grand rassemblement a lieu le 27 décembre 2011. Pour la première fois de son règne, le dictateur est directement visé. Sa réponse, la répression. Et elle est sanglante. À Kasserine, dans le centre du pays, le 8 janvier, des affrontements avec la police font 20 morts. Le lendemain à Sousse, les forces de l'ordre tirent de nouveau sur la foule. Rien n'y fait. À Tunis, les jours qui suivent, ils sont plusieurs centaines de milliers à se retrouver sur l'artère principale, l'avenue Bourguiba, pour réclamer le départ du dictateur. En début de soirée, le 14 janvier 2011, Ben Ali prend la fuite après 23 ans au pouvoir. C'est le début d'une nouvelle ère pour la Tunisie, l'apprentissage de la démocratie. Quelques mois après, en octobre 2011, sont organisées les premières élections libres. C'est le parti islamiste Ennahda qui remporte le scrutin. Interdit sous Ben Ali, ses membres n'ont pas d'expérience du pouvoir et peinent à répondre aux revendications économiques et sociales des citoyens tunisiens. Empêtrés dans des crises internes, accusés de corruption, forcés de s'allier avec d'autres partis, Ennahda ne convainc pas. Il n'y a plus rien à espérer d'Ennahda. Ils ont dévalisé le pays. Slim fait partie de ces millions de Tunisiens qui ont été déçus. Pendant cette décennie noire après la révolution, personnellement, je connais beaucoup de gens qui ont fait fortune grâce à la politique. D'un coup, certains ont engrangé des sommes considérables. Ils ont acheté des voitures, des maisons. Cet argent, ils l'ont volé au peuple tunisien. Le parti au pouvoir Ennahda va commettre une autre erreur. Faire preuve de laxisme face à la menace terroriste djihadiste. En 2015, le pays est touché en plein cœur. Le 18 mars, deux kamikazes affiliés à l'État islamique font irruption dans le musée national du Bardo. Ils tuent 22 personnes. Trois mois après, le 26 juin, un autre terroriste islamiste abat froidement 39 touristes sur une plage de Sousse. Ces attentats traumatisent les Tunisiens. Alors qu'en 2019, un homme se présente aux élections avec la promesse de restaurer la sécurité et de faire le ménage dans la classe politique corrompue, son message fait un carton. Kais Saied, 61 ans, est élu triomphalement avec 72% des voix. Ancien professeur de droit, il est surnommé Robocop pour sa diction martiale et la brutalité de ses propos. Nous allons débarrasser la Tunisie des lobbies et de tous ces corrompus. L'homme va se montrer complotiste et même antisémite. Concernant la tempête Daniel, est-ce qu'on s'est vraiment posé la question sur l'origine de ce nom? Le mouvement sioniste s'est infiltré, laissant les esprits et toute réflexion dans un coma intellectuel total. Au quotidien, beaucoup de Tunisiens ne pensent qu'à une seule chose, quitter leur pays.
Depuis 2011, 400 000 d'entre eux, surtout des jeunes, ont fui de manière clandestine. 100 000 autres ont émigré légalement. Des diplômés, des ingénieurs, des médecins, une main-d'œuvre très qualifiée convoitée dans le monde entier et qui manque cruellement à la Tunisie aujourd'hui. Pour ceux qui ont choisi de rester, chaque jour est un combat. Bonjour. S'il vous plaît, sur le tableau, il faut corriger. Maré Monti, c'est avec un O. Avant de l'écrire, je vous l'ai déjà dit, regardez sur Google. Pour éviter les erreurs. Allez, bon travail. Merci. Merci, madame. Il m'a dit, on vérifie toujours sur Google, sauf aujourd'hui, bien sûr. Mouna Ben Halima a fait le choix de vivre et travailler en Tunisie, par patriotisme. Elle a créé cet hôtel de luxe à Hammamet, la Badira. Une exception dans un secteur touristique surtout tourné vers le low cost. Son 5 étoiles affiche un taux de remplissage de plus de 85% pendant l'été. 130 chambres, des nuits à plus de 1000 euros pour ses suites les plus spacieuses. L'établissement emploie 280 personnes. Bonjour, les baisses. Depuis la piscine, les clients profitent d'une vue exceptionnelle sur le golfe d'Hammamet et ses grands complexes hôteliers. Le tourisme représente 11% du PIB de la Tunisie, un secteur vital qui a encore du mal à se relever des attentats islamistes de la dernière décennie. Mouna s'en souvient, elle venait tout juste d'inaugurer son hôtel. On a ouvert en janvier 2015 et on a eu les attentats en mars 2015. Donc c'était un bon cadeau de bienvenue dans le secteur pour l'hôtel. C'est de l'ironie. Oui, bien sûr. Bonjour. Le principal souci de la patronne depuis quelques années, c'est de trouver du personnel qualifié. C'est à quelle heure le recrutement ? 11h. On a quelques postes vacants parce qu'on a beaucoup de départs ces dernières années, malheureusement. Donc des jeunes qui partent vers les pays du Golfe ou qui partent chez vous en France. On forme. Et ils partent. Bonjour. Mouna cherche une responsable pour encadrer ses femmes de chambre. Ce matin, elle reçoit cette candidate au profil prometteur. D'accord. Dites le bac, le premier choix que vous avez mis sur la feuille d'orientation, c'est quoi ? Les affaires. Anglais. C'est vrai ? Anglais des affaires ? Depuis le départ ? Dédé, 24 ans, maîtrise couramment trois langues : l'arabe, le français et l'anglais. Elle a effectué sa formation dans l'une des meilleures écoles hôtelières du pays. Dans ma classe de master, on est seulement trois à être restés en Tunisie. Les autres ont quitté le pays. Trois sur combien de personnes ? La promo, Khadé, je fais 3 sur 18. Ah, les jeunes partent parce qu'ils ne voient pas vraiment un avenir pour eux ici, pour l'instant. C'est tout. Bon, on espère que c'est provisoire, qu'ils vont revenir. Que les jeunes derrière eux ne vont pas partir, vont rester. Mais c'est difficile. Difficile pour elle aussi de voir que la Tunisie ne fait plus rêver. Elle, qui a tellement cru à l'espoir né lors de la Révolution. Celle-là, c'est le premier anniversaire de la Révolution. Donc c'est un an. Mouna s'était énormément investie dans le processus démocratique en 2011. En lançant notamment une initiative citoyenne, un bus qui fait le tour du pays pendant plusieurs semaines pour convaincre les Tunisiens d'aller voter. J'y ai cru, je vivais avec, je dormais avec, je me réveillais avec, je mangeais plus pendant des semaines, pendant des mois tellement il y avait... autre chose de plus important que tout que la vie quotidienne que je menais avant.
On pensait qu'on allait très vite pouvoir arriver à mettre en place et les institutions, et la croissance économique, et l'amélioration de la situation sociale. Mais on a échoué. On a échoué sur les trois volets. On a complètement échoué. À l'aveu d'échec, succède désormais pour Mouna l'angoisse de l'avenir. La cote d'alerte a été atteinte le 25 juillet 2021. Ce jour-là, le chef de l'État fait une annonce fracassante. Ma première décision, c'est de suspendre les fonctions du Parlement. La Constitution n'autorise pas sa dissolution, mais elle permet de geler ses activités. Plus de Parlement, Kais Saied limoge également son Premier ministre et supprime le Conseil supérieur de la magistrature quelques mois plus tard. La société tunisienne se fracture entre ses supporters et ceux qui voient dans ce 25 juillet un coup d'État. Saied fait aussi rédiger une nouvelle constitution sur mesure qu'il soumet à référendum. Le scrutin est massivement boycotté. Seulement un Tunisien sur quatre approuve le texte. Le 14 janvier 2022, lors du 11e anniversaire de la Révolution, c'est à coups de matraques et de canons à eau que la foule est dispersée. Du jamais vu depuis l'époque Ben Ali. Ils sont encore quelques opposants, mais plus beaucoup, à s'exprimer contre le pouvoir en place. Et ce 13 octobre 2023, c'est à la nuit tombée, dans un petit appartement de la capitale tunisienne qu'ils se retrouvent. Le rendez-vous a été fixé à la dernière minute, par précaution. Il y a trop de menthe. Dalila Mbarek est avocate. Plusieurs fois arrêtée et interrogée par la police ces derniers mois, elle se sait très surveillée par le régime. Ça nous replonge durement et profondément dans l'époque de Ben Ali où toute opposition est muselée, toute opposition est harcelée. On était dans un processus vers la démocratie, une transition démocratique. Là, on est en pleine transition totalitaire. Merci à tous d'être là. Merci aux militants et représentants de tous les partis politiques. Réunis ce soir-là, des cadres d'Ennahda, le parti islamiste au pouvoir après la Révolution. Abdelatif Mekki a été ministre de la Santé entre 2011 et 2014. Il y a aussi Samir Dilou, ancien ministre islamiste des droits de l'homme et porte-parole du gouvernement tunisien entre 2011 et 2014. La question qu'on doit tous se poser, c'est comment on lutte contre Kais Saied. Il ne faut pas le faire en rang dispersé. Il y a aussi le fondateur du Parti des démocrates progressistes, Ahmed Nejib Chebbi, également ministre en 2011. Nos différences ne doivent pas nous déchirer. Il faut qu'on garde espoir. Pour l'avocate, c'est un petit exploit. Ces hommes et ces femmes n'ont pas réussi à s'entendre pour gouverner quand ils étaient au pouvoir. Et aujourd'hui, ils se parlent. C'est difficile, c'est un accouchement très difficile. Dépasser les conflits de 10 ans. Là, vous avez la droite et la gauche et les socialistes et toute l'opposition qui est réunie. C'est peut-être le premier débat depuis le 25 juillet. Il y a un début de bilan et d'autocritique. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Pourquoi on est arrivé au 25 juillet? Depuis le coup d'État du 25 juillet, 17 de leurs compagnons de lutte ont été arrêtés. 8 sont toujours en prison. Au mur, leur portrait.
celui du frère de Dalila, Jawar Mbarek, homme politique de centre-gauche, en prison depuis plus d'un an. Ou celui d'Issam Chebbi, dont la femme est présente ce soir. Faïza vit sans son mari depuis le mois de février 2023. Je vais faire des shawarma. J'ai préparé à manger pour Issam. Il en aura pour une bonne partie de la semaine. Pour vendredi, samedi, dimanche. Issam Chebbi était notaire avant de s'engager il y a 20 ans au sein du courant centriste. Il a toujours été un homme politique modéré. Ça, c'est une photo de lui, dans les couloirs du Parlement. Mais depuis le 25 juillet 2021, il avait osé critiquer Kay Sayed à plusieurs reprises, et en public, notamment lors de cette émission de radio très populaire. Mais depuis le 25 juillet 2021, il avait osé critiquer Kay Sayed à plusieurs reprises, et en public, notamment lors de cette émission de radio très populaire. Le président de la République est devenu un monarque tout puissant, à un niveau jamais atteint, même sous Ben Ali. Il a été arrêté un mois après ses propos. Issam et moi, nous nous rendions tous les deux au marché pour faire nos courses. Ils nous ont arrêtés comme si nous étions des terroristes. Il y avait tellement de voitures, de policiers. Ils se sont emparés d'Issam par la force. L'homme politique est immédiatement placé en détention, sans avoir le droit à un avocat. Ce dont il est accusé, avoir fomenté un complot contre la sûreté de l'État. Issam est en prison parce qu'il est opposant politique. Quand j'ai entendu les charges qui pesaient contre lui, j'ai trouvé ça ridicule. Avoir fait la révolution pour ensuite être accusé de complot, c'est n'importe quoi. Une fois par semaine, Faïza a le droit de livrer des repas à son mari. Son fils Nizar l'accompagne. On va remplacer cette carte d'accès à la prison. Elle est usée. J'ai mis un bout de scotch pour qu'elle tienne. Pour les proches, le temps est long. Cela fait plus d'un an qu'Issam Chebbi est en prison et aucune date de procès ne leur a été communiquée. Mon père a perdu beaucoup de poids. Il nous a dit aussi que dans sa cellule, la lumière est toujours allumée. C'est pour ça qu'il porte une casquette. Il y a une caméra braquée sur lui, 24 heures sur 24. Oui, maintenant, tu caches la caméra. Parce qu'on arrive bientôt. Cacher la caméra, ça ? C'est interdit. Même nous, c'est interdit de filmer ici. Voilà, filmé discrètement, la prison de Monarghia, la plus grande du pays. Pour ce dont il est accusé, Issam Chebbi risque la peine de mort, comme 8 autres prisonniers politiques en Tunisie. À l'étranger, c'est un autre scandale qui a choqué. Un message publié sur le compte Facebook de la présidence le 21 février 2023, au contenu xénophobe et complotiste. Le chef de l'État accuse des hordes de migrants clandestins d'être à l'origine de violences, de crimes et d'actes inacceptables. Sa cible, les 70 000 immigrants originaires d'Afrique subsaharienne qui transitent chaque année par la Tunisie avant de rejoindre l'Europe. Le lendemain, Kay Sayed réitère ses accusations. Aujourd'hui, ils veulent changer la composition démographique de la Tunisie. C'est un complot et ils sont payés pour ça. Ce discours va mettre de l'huile sur le feu des tensions dans le pays. Des violences éclatent quelques semaines plus tard à Sfax, le grand port de départ des migrants vers l'Europe. Salam alaikum.
Le soir du 3 juillet 2023, tout démarre avec une bagarre dans la banlieue nord de la ville. Au sol, un Tunisien vient d'être poignardé. Il va mourir sur place. Ce sont des Africains qui ont fait le coup. Il est en train de mourir. C'est dramatique. J'en reviens pas. La scène est diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Dans les minutes qui suivent, les habitants du quartier se rassemblent autour du corps. Ils sont très vite des centaines, armés de bâtons, de barres de fer et de couteaux. On n'en peut plus. Ils ne peuvent pas cohabiter avec nous. On ne veut pas qu'ils vivent avec nous. Ces habitants de Sfax se lancent en pleine nuit dans une chasse aux immigrants africains. Puis se mettent à chercher leur maison. Et quand ils les trouvent, ils les encerclent. La police laisse faire. Prise au piège, les assiégés se barricadent chez eux. Sur cette vidéo, on les voit se réfugier sur le toit de leur immeuble. Durant 4 jours, ces agressions anti-noirs continuent. Selon la version officielle, elles feront 37 blessés. La semaine suivante, cette fois, ce sont les autorités qui sont à la manœuvre. La police et la garde nationale effectuent des rafles massives dans ces mêmes quartiers de Sfax. Les subsahariens sont entassés dans ces bus. Vous voyez, voici la police quand elle prend les blacks. Ils sont en train de les chasser. Le plan des autorités tunisiennes serait de déporter les migrants très loin, à des centaines de kilomètres, pour les abandonner en plein désert, aux frontières de l'Algérie et de la Libye. Ces images ont fait le tour du monde. D'après le décompte des ONG internationales, il serait plus de 3500, parmi lesquels des femmes, des enfants, à avoir vécu l'enfer. 27 d'entre eux au minimum ont péri dans cette tragédie. Beaucoup de Tunisiens ont été choqués. Mais le sentiment anti-immigré reste largement partagé. Ce matin, Ziad Malouli se rend dans le village d'El Amra, à 30 km au nord de Sfax, où des heurts entre migrants et policiers ont eu lieu la veille. L'enseignant de 42 ans a monté un groupe Facebook appelé « Nettoyons les trottoirs » et ouvertement contre l'immigration clandestine. Il est suivi par 215 000 abonnés. Voilà. De l'autre côté, à droite aussi, ici, voilà, ils sont... Ils cherchent de l'eau parce qu'il y a les puits. Voilà, même de l'autre côté, il y a 6 ou 7 personnes. Regarde, à droite, là, c'est plein de monde. C'est un café pour les subsahariens. Ziad Malouli soutient son président sur la question migratoire. Selon lui, la Tunisie n'a pas les moyens de gérer un tel afflux. Voilà, partout, c'est partout. Certains habitants ici parlent d'occupation, de colonisation. Et les habitants donc souffrent de ça aussi. Ils demandent à l'État d'intervenir au moins pour protéger les familles qui sont là. Voilà. Dis-moi, c'est comment le climat ici ? C'est invivable, c'est un peu inquiétant. Quand on passe au magasin pour acheter des produits, on ne trouve rien. Et t'as été embêté par eux ? Ah non, moi... Mais quand même, le climat général, c'est un climat donc inquiétant. Voilà. Merci, Hassilo. Et Aïchek, c'est moi, non ? Aïchek. Indésirable partout, les migrants subsahariens se regroupent dans ces plantations d'oliviers à la sortie des villes.
Il serait entre 7 et 12 000 à camper autour de Sfax. Ils sont en majorité originaires d'Afrique francophone, comme Kader, qui vient du Bénin. Voilà. Salut. Son objectif, rejoindre l'Europe au plus vite. Tu le vois, on est là, tu vois, là on vit. Est-ce que ça c'est normal, tu regardes avec mes enfants. Passe avec moi, viens là. C'est ma maison, c'est là où je m'habite, quoi. Ça me fait très mal, ça touche le cœur. Faut regarder. Vois. Tout ça là, bon, c'est pas normal pour un être humain, ça va pas. Ici, quand il pleut, tout le monde ne dort pas. Les enfants aussi, il fait frais. On a besoin de l'eau. Rien ne va ici. Il n'y a rien de manger. Tout est grave ici. Il y en a qui ont été emmenés dans le désert parmi vous? Dans le désert, on a trop souffri. Voilà. On a marché des kilomètres à pied. Derrière, il n'y a pas l'eau. Devant, il n'y a pas l'eau. À gauche, à droite, il n'y a pas l'eau. Des semaines qu'ils vivent ici. Et ils n'ont reçu aucune aide extérieure. Les ONG, harcelées par le gouvernement, ont déserté la zone. Et les migrants ont appris à se méfier de la population locale. Dans la nuit, dans les environs, et de 2 à 3 heures, il y a souvent des mafias tunisiens qui passent et elles vont tuer et ils viennent. Ils vous effraient, quoi. Et ils vont vous ramasser vos sacs, dont il y avait les téléphones dedans, de l'argent, ils prennent tout, ils partent. Ils se disent aussi persécutés par les forces de l'ordre. Il y a des policiers même qui viennent ici nous voler. Et les femmes, on viole les femmes. Ça, c'est pas normal. Ces accusations sont graves. Mais aucune enquête n'a pu être menée. Ni par la justice, ni par les journalistes. En Tunisie, ceux qui pourraient vérifier ces faits subissent dorénavant des intimidations au quotidien. En 2 ans, le pays a chuté de 48 places au classement de la liberté de la presse, publié par l'ONG Reporters sans frontières. Bonjour à tous. À 59 ans, Ziad Helleni est l'une des plus grandes figures du paysage médiatique tunisien. Le journaliste n'a jamais fait la moindre concession. Arrêté sous Ben Ali pour des articles jugés trop critiques, le 14 janvier 2011, il laissait éclater sa joie. Ziad Helleni est aujourd'hui chroniqueur politique dans cette émission de radio privée. L'un des derniers a osé critiquer le virage opéré par Kais Saied ces 2 dernières années. Kais Saied a d'abord bénéficié d'un grand soutien populaire. Malheureusement, avec le coup d'État du 25 juillet 2021, a démarré une véritable dérive vers l'autoritarisme. Nous sommes en face d'une dictature qui est en train de s'installer, une dictature qui est en train de faire taire tout le monde, mais nous sommes en train de combattre pour rester debout. Pourquoi c'est si important pour le pouvoir de faire taire les voix discordantes? On va vers des élections présidentielles en 2024. Le seul moyen pour lui, pour garantir que la voie d'accession pour lui soit libre, c'est de faire taire toute voix qui est critique. Il veut maintenant rester le plus long possible dans le pouvoir. Une dérive autocratique qui lui rappelle les années sombres de la dictature Ben Ali. Resté 23 ans au pouvoir. Ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est quelque chose d'inimaginable. Kais Saied, c'est le pharaon qui règne d'une façon absolue sur la Tunisie. Coup de théâtre, 2 mois après notre tournage, le journaliste tient des propos virulents à l'encontre d'une ministre de Kais Saied. Il nous faut quelqu'un de fiable à ce poste. Si elle n'est pas à la hauteur, qu'on la remplace. Elle est incompétente. Il est arrêté le lendemain. Le voici filmé, menotté, à l'entrée du commissariat.
Après 48 heures de garde à vue, Ziad Elhenny sera condamné à 6 mois de prison avec sursis. Signale que la liberté de la presse est bel et bien en danger en Tunisie. T'en as combien des pancartes ? L'espoir de faire changer les choses. C'est ce qui anime Wassim, jeune ingénieur de 26 ans. Mais un peu de colle ici. Militant dans un parti du courant démocrate, il se prépare avec ses amis à aller manifester. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de dignité. Donc ce sont les trois slogans de la révolution. La révolution. Wassim et ses amis n'y ont pas pris part, trop jeunes à l'époque. Mais ils savent les risques pris par leurs aînés. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est grâce à eux. Rien que pouvoir se retrouver et préparer cette manifestation, on le doit à ceux qui ont pris part à la révolution, à ceux qui ont versé leur sang pour elle. La génération de la révolution tunisienne nous a montré la voie. Nous continuons et nous continuerons à nous battre pour eux, pour perpétuer leurs rêves. Nous sommes le 14 janvier 2024, 13 ans jour pour jour, après que l'ancien dictateur Ben Ali a pris la fuite. C'est l'un des rares rassemblements politiques encore tolérés par le régime de Kais Saied. Comme d'habitude, le police il est toujours là dans toutes les manifestations. Et surtout après le 25 juillet 2021. Sur l'artère principale de la ville, l'avenue Bourguiba, ils ne sont que quelques centaines de manifestants, divisés en deux groupes bien distincts. D'un côté, les militants et les figures emblématiques du parti politique Ennahda. Ils avaient eu la confiance des Tunisiens au lendemain de la révolution, sans réussir à répondre à leurs attentes. L'ancien ministre islamiste Samir Dilou fait aujourd'hui son mea culpa. Est-ce que vous vous sentez un peu responsable ? Une grande part de responsabilité. Parce que, quelque part, une révolution, c'est un petit miracle. Donc, le fait de ne pas faire le nécessaire, ça nous rend, quelque part, responsables. Et il faut l'avouer, et toute la classe politique qui a été amené par la révolution tunisienne, n'a pas su faire le bon choix, prendre les bonnes décisions, ce qui nous a amené aujourd'hui à cette situation calamiteuse. De l'autre côté de l'avenue Bourguiba, en face du Théâtre National, au lieu de la révolution, les jeunes représentants du courant démocrate. Une opposition dont les divisions font le jeu d'un pouvoir qui s'exerce en solitaire. Pendant notre tournage, la présidence a refusé toutes nos demandes d'interview. Pour arriver à la démocratie, il faut tout un parcours. Il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, peut-être, on est dans le bas, mais demain, sûrement, et avec beaucoup d'optimisme, je dis ça, et avec beaucoup d'assurance, demain, le futur sera démocratique. En tant que jeune Tunisien, Tunisienne, nous rêvons toujours d'avoir une Tunisie plus libre, d'avoir toujours plus de prospérité, d'égalité, d'équité, tout ça. Garder l'espoir, garder l'optimisme, ça doit être en fait l'arme de toute personne qui rêve d'un avenir meilleur. Autant que les matraques des policiers, ces jeunes militants engagés en politique redoutent l'immense résignation qui guette le peuple tunisien. Pour poursuivre le débat, nous avons rencontré Atem Nafti. Ingénieur et essayiste, il a publié plusieurs ouvrages sur son pays, dont le dernier, Tunisie vers un populisme autoritaire, aux éditions Rive-Neuve. D'abord, j'aimerais revenir sur la dernière phrase qui ponctue ce film. Est-ce que la résignation guette le peuple tunisien ? Est-ce que c'est votre avis ? Oui, je crois. Je crois que les Tunisiens sont résignés. En tout cas, une bonne partie de la population est aujourd'hui résignée.
parce qu'elle a connu des désillusions pendant 10 ans et qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de perspective, ni économique, ni politique. Il y a eu beaucoup d'espoir au moment de la révolution de 2010-2011. On a dit aux Tunisiens que la démocratie allait leur apporter la prospérité. Force est de constater que ce n'est absolument pas le cas. Alors quand le coup d'État de Kais Saied intervient, on est 10 ans après la révolution, et les gens se disent, bon, il y a une personne qui nous propose de rompre avec tout ça, eh bien, banco. C'est ce qui explique que le jour même du coup d'État, les Tunisiens sont sortis par milliers dans les rues. Donc ça, c'était en juillet 2021. Le 25 juillet 2021. Deux ans après son élection. Deux ans après son élection. Il a été élu en 2019. Quelle est sa vision de la Tunisie d'aujourd'hui? Il entend vraiment, en tout cas dans la théorie, il entend redonner du pouvoir au petit peuple, si vous voulez. Dans la pratique, nous avons une concentration inédite de pouvoir. Il a plus de pouvoir, c'est étonnant de dire ça, plus de pouvoir que les présidents Bourguiba et Ben Ali, qui n'étaient pas de grands démocrates. Et surtout, il est dans une sorte de démarche messianique. Et à partir du moment où vous allez vous opposer, on n'est plus dans un schéma classique avec une majorité et une opposition. Non, vous avez un guide bien éclairé qui serait le président de la République, et les gens qui s'opposent à lui ne sont plus dans le jeu politique, mais on est plutôt dans le domaine du blasphème, ce qui explique aujourd'hui que quasiment toutes les familles politiques ont leurs représentants en prison, dans des affaires pour la plupart rocambolesques. Là, on a compté, il y a 14 complots contre la sûreté de l'État. Le dernier en date, c'était Netanyahou, qui serait venu en pleine guerre contre Gaza. Netanyahou serait venu en sous-marin, le premier ministre israélien serait venu en sous-marin pour voir l'un des chefs de l'opposition tunisienne. Et il se trouve qu'il y ait que des policiers aient enquêté sur ça et n'aient pas jugé totalement farfelu cette hypothèse. Donc, tout est complot, à entendre le président de la République, tout est complot. Il y a des présidentielles en novembre. Il y aura des présidentielles en l'automne 2024, absolument. Il a des chances d'être réélu. Alors. Aujourd'hui, quand vous avez tous les opposants qui sont en prison, c'est facile de l'emporter sans avoir à trafiquer les élections le jour du vote. Est-ce pour autant des élections libres? Je ne le pense pas. Alors, il y a beaucoup de gens, et notamment des Tunisiens en France, que j'ai interrogés, et qui estiment que c'est un rempart vis-à-vis de l'islamisme. Tout dépend de ce qu'on entend par islamisme. Si on réduit l'islamisme aux frères musulmans, et donc à leur représentation locale, qui est Nahda, effectivement, le plus grand perdant de cette séquence, c'est Nahda qui a fait partie de tous les gouvernements de 2011 à 2021. Ce parti a fait 1,5 million de voix en 2011. Avec le jeu de la démocratie, en 2019, il a fait le tiers. Donc, ils ont perdu les deux tiers. Donc, je pense que la démocratie était la bonne solution pour faire reculer les courants islamistes. Et maintenant qu'on a dit ça, nous avons la nouvelle constitution du nouveau président. Inclut la Tunisie dans la Oumma islamique et charge l'État de veiller à respecter ce qu'on appelle les finalités de l'islam, qui est une manière détournée de parler de charia. Donc aujourd'hui, quand on m'explique que Kais Saied a rompu avec l'islamisme, je pense que c'est faux. C'est pas tout à fait le cas. Aujourd'hui, nous avons une référence à la charia claire et nette. Et on a des régressions, par exemple, la représentation des femmes est tombée à un degré scandaleux. À l'Assemblée nationale, nous avons quelque chose comme 15 ou 16% de femmes, sachant qu'on a largement dépassé entre 25 et 30% dans la décennie post-révolutionnaire. Je voudrais qu'on évoque le drame de l'exil. C'est 500 000 de Tunisiens qui sont partis de Tunisie, illégalement ou légalement d'ailleurs, depuis 4-5 ans. Sur une population de 12 millions de Tunisiens, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est un mouvement qui remonte à avant l'élection même de Oui, mais qui s'est accéléré quand même. Parce que c'est la situation économique, quand vous avez un différentiel de niveau de vie, quand vous avez des jeunes qui ne trouvent pas de débouchés, des jeunes et même des moins jeunes. Nous avons aujourd'hui des chefs de service d'hôpitaux très très bien installés, qui ont la cinquantaine, qui sont quasiment en fin de carrière, qui passent le concours d'équivalence pour devenir médecin en France. Et on est souvent très heureux de les accueillir en France. Pour pallier au manque de personnel dans les hôpitaux français. On est très heureux de les accueillir, mais on les traite quand même comme des médecins de seconde zone, ce qui pose aussi problème. Et cette question migratoire explique aussi pourquoi les autorités européennes, et singulièrement la France et l'Italie, sont complaisantes avec ce régime. Giorgia Meloni, mais aussi Emmanuel Macron, qui a dit qu'il soutenait Kais Saied, ont compris leur intérêt à avoir un pouvoir fort qui soit en plus très coopératif
en matière migratoire. Et c'est pour ça qu'il y a eu un accord de signé cet été avec l'Union européenne pour refaire... C'est-à-dire que les autorités tunisiennes s'engagent à contrôler leurs côtes et à refouler les candidats à l'exil. Exactement. Alors dans ce film, on fait aussi allusion aux migrants venus du cœur de l'Afrique et qui sont aussi refoulés à la frontière de la Tunisie quand ils arrivent en Tunisie. Des centaines d'entre eux sont morts dans des conditions effrayantes, tragiques. On voit qu'il y a une chasse d'ailleurs aux migrants avec la complicité du régime tunisien. Il y a exactement un an, il y a eu un communiqué de la présidence reprenant la déclinaison tunisienne de la théorie du grand remplacement. En gros, on va remplacer des Arabes qui se vivent comme blancs et des musulmans par des Noirs qui sont souvent chrétiens. Donc c'était un petit peu le sens de cette déclaration. Déclaration qui était effrayante. Qui a eu des conséquences horribles. Mais là aussi, après cet épisode, ça n'a pas empêché les Européens, c'est pour ça que je dénonce une certaine hypocrisie, les Européens sont venus, je pense, une ou deux semaines plus tard pour signer un accord migratoire avec la Tunisie. Comme quoi, ce qui compte le plus, c'est la question migratoire. Et tant pis s'il y a des gens qui meurent, du moment que nos frontières sont gardées, mais surtout que nos frontières sont gardées par des non-européens. C'est surtout ça que je trouve scandaleux. Et on délègue un peu lâchement un pays tiers. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Atem Nafti. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Tunisie vers un populisme autoritaire » paru chez Rive-Neuve. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive. La semaine prochaine dans Enquête exclusive, immersion chez les nouveaux militants écologistes radicaux. C'est pour nous, c'est pour nos enfants, bravo! De plus en plus de collectifs prônent la désobéissance civile. Si on s'assoit et qu'on fait un sitting en disant « pas content, non à l'autoroute, il ne se passe rien ». Les militants ont recours à des actions choc. Tant que les politiques ne nous donneront pas la certitude que demain nos enfants vont vivre dans un monde viable, on sera là. Ils sont prêts à tous les sacrifices. Prenez des carrés de chocolat depuis 40 jours. Quitte à être condamné par la justice. Si ce combat doit me conduire à être privé complètement de mes libertés, ben ce sera l'histoire. Des méthodes radicales qui divisent l'opinion. Il faut nous nettoyer ça. On en a plein le dos, plein le dos. Si la plupart d'entre eux sont non-violents, des groupes d'ultra-gauche s'emparent aussi de leur combat. Et des manifestations dégénèrent, comme autour des Bassines, à Sainte-Soline. Des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme. Les dernières générations ! Et on veut 12 milliards ! Urgence climatique, quand la jeunesse se radicalise, c'est dimanche prochain à 23h dans Enquête exclusive. Cette émission a été préparée avec Gregorio Maro, réalisation plateau Tommaso Manoukian, rédaction en chef d'Enquête exclusive Jean-Marie Tricot et Hélène Mangiardi, production Anne Conesil. Bonne soirée.